Salut à tous les gars et bienvenue pour ma nouvelle chaîne YouTube. Voilà ma toute nouvelle vidéo, ma toute première vidéo. Cette vidéo va servir tout simplement de présentation de ma chaîne YouTube dans l'ensemble. Il faut savoir que du coup, en fait, je ne serai pas vraiment stable, à vrai dire stable. Ça veut dire que je ne vais pas vous dire, voilà, je ferai souvent des vidéos sur des vlogs, mais pas que sur des vlogs. Ça veut dire que je ferai peut-être des dégustations, peut-être, ben voilà, essayer vraiment de vous divertir un maximum, de pouvoir vraiment de vous donner un maximum de contenu et de pouvoir vous divertir quand vous êtes dans votre lit en train de regarder la vidéo. Donc c'est pour ça que je peux pas vous dire, voilà, je suis dans ce thème-là, je suis dans ce thème-là, je vais faire ça, si, ça. Non, c'est pas vraiment, voilà, je serais un peu, on va dire, instable sur les catégories de vidéos. Voilà, vous pouvez très bien trouver du vlog, comme des dégustations, comme voilà, des sorties, comme faire des vidéos de temps en temps chez moi pour présenter un peu ce que je fais dans mon quotidien. Voilà, vraiment des variétés de vidéos, histoire de vraiment vous divertir un maximum. Donc voilà. Alors, il faut savoir que là, du coup, sachant que je vais faire des vlogs, en cette période, ça sera assez compliqué, car nous sommes tout simplement en confinement. Sachant que le confinement, du coup, il ne nous autorise pas à sortir de chez nous. Ça sera assez compliqué, du coup, de faire des vlogs. Mais je vais quand même pouvoir vous donner assez de contenu, pas mal de contenu sur mes vidéos, donc sur mes journées. Sur mes journées, que ça soit voilà, sur des activités que je fais. Voilà, j'essaie de vraiment vous donner quelques petits contenus dans cette période où on est en crise, où presque tout le monde s'ennuie, où c'est compliqué de trouver des choses à faire, sachant que voilà, on a quand même des devoirs à la maison à faire à domicile, mais bon, ça ne suffit pas pour s'occuper, et puis bon, c'est pas non plus terrible, terrible de faire à chaque fois des devoirs. Mais voilà, essayez de vraiment vous divertir de temps en temps, de vous donner des petites vidéos comme ça, voilà, histoire de passer le temps, voilà quoi. Donc c'est pour ça, j'ai voulu prendre l'initiative de faire une vidéo de présentation pour que comme ça la chaîne elle soit claire, que donc du coup on va se baser sur pas que des vlogs, donc il y aura des dégustations, des activités et tout comme je l'ai déjà dit, mais voilà, histoire de vraiment faire une chaîne un petit peu de toute variété, de pouvoir s'amuser un petit peu entre nous, et puis voilà. Donc là du coup je pense que j'ai fini dans l'ensemble. Ah oui, donc j'aimerais bien juste dire un petit mot concernant les actualités en ce moment, notamment le coronavirus. N'hésitez pas parfois vraiment à donner des coups de main à votre voisin, à votre voisine. Voilà, admettons, moi j'ai une voisine qui est à côté juste de chez moi, qui est du coup aveugle. Et donc n'hésitez pas vraiment, quand vous avez des voisins comme ça, à les aider, à vraiment aider, admettons, faire leurs courses, voilà, et essayer de passer du temps avec eux. Car eux, du coup, ils sont aveugles. Malheureusement, il y a certaines personnes qui sont seules. N'hésitez pas vraiment à leur tenir compagnie. Voilà, si c'est, admettons, si c'est leur voisin, bon, il y a quoi, il y a 2-3 mètres à faire, voilà, vous êtes chez lui. Donc, bon, faut pas non plus aller dans l'autre bout de la ville et tout pour aller voir des amis, sachant que c'est interdit, on est en confinement, donc c'est interdit. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment à aider vos voisins, voisines. Admettons, s'il y a des enfants et que donc votre propre voisin est médecin ou je ne sais pas, moi, chirurgien, pharmacienne, etc., n'hésitez pas vraiment à leur donner l'opportunité d'aller travailler et donc de pouvoir prendre en charge leurs enfants, même si je sais que c'est compliqué, mais n'hésitez vraiment pas parce que comme ça au moins ça permet de vous occuper. Voilà, moi je m'occupe, je sais très bien que je m'occupe assez souvent de ma voisine qui est aveugle et donc je fais souvent les courses avec elle pour l'aider, etc. Sachant qu'il y a beaucoup de monde, c'est assez compliqué, mais bon, voilà, je sors, n'hésitez pas vraiment à protéger, sortez le moins possible. Voilà, si vous sortez, n'hésitez pas à mettre des masques. Moi je mets peut-être moi je mets souvent des gants, voilà, souvent des gants quand je vais des gants que je mets l'hiver, voilà, quand je vais au supermarché, je fais ça. C'est des petites astuces qui font qu'en fait tu te protèges vraiment de la maladie, de la pathologie du coup qui est le coronavirus, on le sait tous. Et donc ça va permettre vraiment vraiment d'aider les voisins, d'aider les gens. Vraiment, faut vraiment, dans cette période de crise, c'est vraiment bien de s'entraider, d'être voilà, que français, vraiment de s'aider, donc de pouvoir être humanitaire quoi. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire concernant l'actualité. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit like et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des idées de vidéos durant cette période. Je sais pas si vous avez envie de voir des vidéos un petit peu drôles, de voir un petit peu des vidéos concernant je sais pas moi, mes journées, etc. N'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, comme ça au moins moi je les lirai, je les likerai, et ça me permet de me donner des idées concernant ma chaîne, tout simplement, concernant les vidéos que je ferai plus tard.
Donc alors concernant comment dire les vidéos que je ferai durant la semaine, il faut savoir que je ferai une vidéo tous les, sachant là qu'on est en période de confinement, donc j'ai strictement rien à faire, j'ai presque que des vidéos à faire. Donc tous les 2-3 jours, 2-3 jours, essayer de vous faire quelques petites vidéos, voilà, une petite vidéo de 5-6 minutes, pas plus quoi. Là, vraiment essayer de pouvoir entamer ma chaîne, de pouvoir la faire marcher un maximum. Ouais, voilà, donc voilà, tous les 2-3 jours pour permettre d'être actif, pour permettre d'être actif envers vous comme pour moi aussi, ça me permet de m'occuper dans mes journées. Voilà, je pense que j'ai fait dans l'ensemble, j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans l'ensemble. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et donc, en tant que voilà, nouveau youtubeur, j'aimerais bien, si vous pouvez, si vous avez aimé déjà cette présentation, de pouvoir vous abonner et de n'hésitez pas à activer la petite cloche pour permettre de recevoir des notifications. Il y a pas mal de youtubeurs dont j'ai pu contacter qui m'ont dit que voilà, il y avait peut-être quelques petites erreurs de notification en ce moment, sachant que voilà, on est en période de coronavirus et que donc, du coup, il y a peu de personnes qui travaillent envers YouTube, donc c'est pour ça qu'il y a des bugs de notification. Mais ils m'ont dit, voilà, c'est toujours mieux, mais il m'a dit que c'est toujours mieux de leur prévenir de activer les notifications. Ça leur rendra toujours plus service que s'ils ne l'activent pas. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à activer la cloche de notification, ça serait vraiment important pour moi. Et puis en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Et donc, bah voilà, je vous remercie. Très bien. Au revoir.